Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonjour, parce que une partie de nous vient de l'autre côté du pond, comme on dit. Et donc, le restaurant Stay Amazing vous accueille encore une fois. Nous sommes avec notre cuisinier étoilé, Gunther. Et c'est un restaurant que nous avons monté en peu de temps. Et l'objectif, c'est de rester dans un contexte chaleureux. Tout à fait, Marc. Et on voit que nous avons des invités aujourd'hui, des invités fidèles. Je pense notamment à Aurélien, JC et Romain qui sont avec nous aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois au sein du restaurant. Voilà, il y a des sketch notes qui sont en préparation. De mon côté, j'ai retrouvé ma voix pour animer ce soir avec Marc. Voilà, cette session. Donc, je suis très content d'être là à vos côtés pour cette troisième session. Eh oui, donc vous êtes déjà dans le bar et Alexandre est déjà en train de vous accueillir. Donc Alexandre, tu veux prendre le lead de guide et je prends le relais. Est-ce que ça te va? Eh bien, écoute, on va fonctionner comme ça ce soir, si c'est bon pour toi. Alors, ce soir, on aura un programme qui sera, voilà, avec une carte du jour, ce qui, voilà, sans surprise, avec Scrum 2.6 à 2.7. Donc, concrètement, on va parler des principes fondamentaux de Scrum, mais aussi des valeurs de Scrum que vous connaissez bien. Ça sera l'occasion ce soir de les redécouvrir sous l'appui, forcément, du guide de poche, Scrum, un compagnon de voyage intelligent. Et bien sûr, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir, bah, Gunther pour voilà, aller plus loin dans nos réflexions sur ces chapitres et ces apports. Oui, on a aussi Jean-Christophe avec nous. Donc, merci Jean-Christophe, merci Gunther, merci tous les deux. Peut-être vous avez tous les deux quelque chose à nous dire? Jean-Christophe, tu veux commencer? Un petit mot de bienvenue. Je pense que là, on va attaquer vraiment une partie très, très, très intéressante avec les Scrum Values. Et Gunther, c'est le roi pour vraiment bien les décrire et bien les faire comprendre. Je pense que là, ça va être une très belle session. Okay. Thanks. Are you also often called GC or not? Yes, you Yeah, can. GC, okay. Because that's also a little bit like Jesus Christ. Yeah, GC. Okay, cool. Allow me to do this in English quickly, if you want. So thanks, Jean-Christophe. And indeed, there was something, just a little bit of background. Can I share that, Marco? A little bit of background on the chapters that Of you'll be course. talking about today. So what I found important when I wrote my book is not, like so many people do, focus only, let's say, on the formal elements of Scrum, the artifacts and the roles and what the accountabilities and the events or meetings or whatever you want to call them. I want to also highlight sort of Scrum in a somewhat broader perspectives. So I wanted to add something about the principles of Scrum. I didn't use that expression by then, but I do now. So it's in the third edition that was translated. So it's what I call Scrum's DNA. So the DNA of Scrum, meaning DNA, that, you know, the string of two, or the combination of two strings actually, or a spiral. And that's what I call self-organization and empiricism. That is Scrum's DNA. On my Scrum game board, as you might have seen, I wanted to focus on the importance also of having a really a workplace, a place, a team room that you can organize for yourself. So added that also to the principles. Just a little secret, if I would have to do that again today or rewrite that today, I would put the workroom, actually the team room, I would put that underneath self-organization, because for me it's part of self-organization more. And then that would free up one little spot on my Scrum game board, and then I would add the values on my game board and not separately. But who knows, maybe someday I'll create a fourth edition of my book. And what I found important about the Scrum values, I hope I'm not taking too much time, but I think it's important. So I remember by the end of 2012,
So that's over 10 years ago, or almost 10 years ago. I was facilitating a class, and one of the participants in the class was actually a candidate trainer, so somebody who wanted to become a PST, a professional Scrum trainer himself. And he asked me, Gunther, the Scrum values, do they still exist? Are they still relevant? Because you know what, nobody talks about them, we don't hear about them, they haven't been described for many years anymore. And I said, I think they are, at least for me, they are. So I went back by then Ken Schwebe, sent him a little message, said, Ken, I had this fascinating question. The Scrum values, are they still relevant? Do they still exist? Do you still believe for yourself that they are part of Scrum? And he said, yes, of course, Gunther, they are, of course, just that nobody talks about them anymore. So, and I found them so important, and I went to dig into the Scrum values a little bit more. And I wanted to at least be able for myself to understand why they are so important, at least for me. And then I came up with this finding in a way that for me, the Scrum values are so important because they can be translated into behavior. I have a very very important personal value. I would call that integrity, but integrity is difficult to translate into behavior. So, and that is so powerful about the Scrum values. They translate into behavior. So I described them on a blog note. It's my most read blog note ever. So my life is sort of over because I will never write such a successful blog note again. And so by then, it felt like this resonates with people. People actually need this. So I added them to my book that was in 2013. And then I think it was only in 2016 that they were added to the Scrum Guide again. Yeah. In a very, 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 let's say, concise way. And that is for me so important for the Scrum values. In a way, they were only described in the first book about Scrum. So I don't know if anyone knows, it's called Agile Software Development in Scrum, written by Ken and Mike Beadle. And I think it was published in 2002. So it's more than 10 years later. So they totally went sort of obsolete. Nobody knew about them. Can I share that? I'm a little bit proud of having been able to put them back on the table. Yeah. Because since then, they just grew in importance more and more and more, certainly when they were added to the Scrum Guide. But that's not, and then people started building on it and so on. But just a little background on that, those two chapters from my book. Merci beaucoup, Gunther. Je voulais juste vérifier avec tout le monde, est-ce que vous avez à peu près compris l'histoire des valeurs de Scrum, comment c'est venu dans le Scrum Guide? Parce que Gunther nous a partagé l'histoire jusqu'à là. Est-ce que c'était bon pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui. Bon, ben super. Maîtriser l'anglais mieux que moi, je suis content. On a le plaisir d'avoir Anta qui vient de nous rejoindre. Bonjour Anta, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Désolée pour le retard, j'ai eu quelques soucis techniques. Il n'y a pas de mal, on est content que tu sois avec nous. Alors d'habitude, on met à ce niveau de jeu et de déroulement de session les pieds dans le plat, mais on vous propose ce soir un autre format. Initialement, en fin de session, on demande à chaque participant les événements qu'il a pu assister cette semaine, ou encore les événements qui arrivent dans l'écosystème agile. Quels sont les événements qui arrivent chez vous au Québec, en France ou aux quatre coins du monde? À quoi allez-vous participer dans la semaine à venir? Qu'avez-vous à nous partager dans l'écosystème agile? Événements. Je peux me lancer, mais c'est à petite échelle. Moi, j'ai enfin pris un peu plus contact justement avec Romain, Jean-Christophe et d'autres pour la communauté en interne. Là. Donc, de mon côté, ça a été surtout ça.
Excellent, Aurélien. Et alors, qu'est-ce que tu entends par communauté en interne? Tu peux nous en dire un peu plus? Dis-nous tout, Aurélien. Cette question. Non, non, c'est la petite, c'est la communauté L'excellence. agile de CGI. CGI, je ne sais pas, je ne suis même pas la portée. Je sais pas si c'est Québec, Canada, je ne sais pas encore. On Je va ne dire connais pas du encore tout le Québec. monde dedans, mais ça a l'air d'être une communauté avec des jambons, n'est-ce pas? Et des jambons de Québec, pas des jambons de Paris. Voilà. Et du jambon de pays. Exact. Oui, effectivement, on a recueilli Aurélien dans notre communauté. Et c'est une communauté qui s'articule autour de toute la province de Québec, du côté de CGI. Donc, une communauté assez vaste, mine de rien. Et pour ma part, bah, typiquement, ce mercredi, j'anime mon premier atelier de côté Agile. Donc, je suis assez content. Un petit Lean Coffee, un coffee Lean tranquille avec toute l'équipe. Donc, voilà, c'est ma première activité aussi. Donc, voilà cette semaine ce qui nous attend. Et Belle aventure. aujourd'hui, ça regroupe une communauté de combien d'individus finalement c'est chez CG? Jean-Christophe, tu peux peut-être répondre, j'ai pas le nombre. Ah, j'ai pas le nombre non plus, je sais qu'on a 250 personnes, presque 300, qui sont enregistrées à notre communauté. Génial. Super. C'est pas mal. Bon, Alex, est-ce que tu voulais poser la question aussi à Gunther ou à Hunter aussi, Bien peut-être? sûr, effectivement, la question s'adresse à toutes et tous. Hunter, est-ce que tu as un événement qui va venir, qui est intéressant à partager? En fait, je suis en train de finaliser une sketchnote sur le deuxième chapitre Scrum du livre de Gunther, et donc je vais bientôt publier cela cette semaine. Est-ce que nous aurions quelque chose déjà prêt avant la fin de la session pour avoir un avant-vue pour tout le monde ou Je aussi? réserve la surprise pour plus tard. Ok. Ben super. Gunther, est-ce que tu avais des événements à nous partager qui sont intéressants à venir? Do you have any events that are coming up that are really important to you? Yeah, so since some time, I've been working with the lady who's been here maybe in the first session. I don't know, Alice Barayon. Via Alice, it's possible for people to attend my classes while using the French system of Mon Compte Formation. So I just wanted to highlight that. In 2 weeks' time, we've got a PSM2 class coming up. So if you know anybody who wants to spend their compte formation on my class, ask them to get in touch with Alice. So via Alice, they can register and use their compte formation. The other thing that is a little bit annoying currently, it seems that the French government has recently changed the rules. In that sense, you have to register at least 10 days before the start of the class. To give people the chance to cancel, you can't really say last minute, is it 10 days? That's not really last minute. So, but Alice let me know today that she had one potential student and she was going to sort of play around a little bit with the date so that he could register via the platform. So, but I just want to highlight that. So, by the end of the month, on 29 and 30 September, I'm doing my first ever a public class of PSM2. So for the people, not Jean-Christophe, this is all familiar to you probably. So it's a professional Scrum Master Level 2 class, which entitles people for the PSM2 assessment too, and if they pass the assessment, they can call themselves certified. So if you know anybody in your organization, if you would know interested people, here's my public PSM class by PSM2 class by the end of this month.
And they can also register via my website. If they don't want to use Conformation, they can register directly via my website. And as it is my first public PSM2 class, I've been giving it privately already this year. I've also added a little discount on my website. Yes, thank you, Gunther. And just to let you know, thank you for allowing me to promote myself here. So yeah, et juste pour en ajouter, Gunther, il aussi donne d'autres formations qui rentrent plutôt aussi dans deux sujets importants. Vous trouverez sur son site des choses autour des valeurs de Scrum, donc vraiment d'approfondir dans les valeurs de Scrum et aussi de Scrum à l'échelle. Et qui explique comment transformer à une grande échelle en fait avec Scrum. Donc, Gunther, oui. Yeah, no. Just to add to that, indeed, so the classes that I offer publicly is indeed just the PSM class, so Professional Scrum Master class, PSPO class, Professional Scrum Product Owner class, now also the PSM2 class. And like Marco, you said, I've been indeed over the past year been developing based upon my book, by the way. So you all know my book, right? So my book often, when we say it in short, it's often called a Scrum Pocket Guide. So I've been developing shorter half-day workshops indeed based upon my book. So I've called them Scrum Pocket Classes. So this is my Scrum Pocket Guide. I've been developing Scrum Pocket Classes. And indeed, I wanted to start with the Scrum Values last year. So I've got a Scrum Pocket class about the Scrum Values. I also have one, like you said, Marco, about, I've called it Scrum in the Large. Mm-hmm. Scrum in the Large. In a way to avoid the term scale, because that's been turned into a sort of corrupted term anyhow. So Scrum in the Large, helping people to think about how to apply Scrum with multiple teams, at least, let's say. Yeah. I've got no other classes scheduled right now, so you won't find them on my website currently, but I'll be thinking about organizing them somewhere in the fall of this year. Yeah. Beautiful. Alors du coup, moi j'ai une question à vous poser hein, quand même. Souvent, on arrive avec trois questions clés pour vous faire réfléchir et amener les échanges et les discussions. Aujourd'hui, quelle question nous ne vous avons pas encore posée qui serait pertinente pour redécouvrir cette session ensemble sur la lecture de ces chapitres? Sacrée question, c'est difficile. Par rapport à ces chapitres-là, ou j'ai pas bien compris la question, excuse-moi. Voilà. Quelle question, Romain, aimerais-tu qu'on te pose par rapport à ces chapitres-là? Ou quelle question t'es-tu posée à la lecture de ces chapitres? Oula. Comment bien incarner les valeurs de Scrum au quotidien? Qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi elles sont là? J'en ai plein, si vous voulez. Excellent. Bien sûr, quoi d'autre? Pourquoi dans beaucoup de conférences ou de formations, on en parle très peu? Et à quoi elles rapportent chacune de ces... Qu'est-ce qu'elles apportent dans chacune des échanges Scrum, dans chacune des rencontres Scrum? Pourquoi ces valeurs doivent être absolument mises en avant et primordiales dans toutes les rencontres? Elles permettent aussi de faire un lien entre toutes les rencontres et pourquoi elles sont là. C'est, pour moi, c'est quelque chose qui est très important maintenant. Mais je m'écarte de la question. C'est génial. Ça nous offre des pistes de grande valeur. Je n'ai pas réussi à écrire toutes les questions. Excuse-moi, Romain. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Ben, on peut rajouter comment incarner les valeurs de Scrum. Qu'apporte-t-elle pour les différentes rencontres, événements Scrum? Et pourquoi aujourd'hui elles ne sont pas encore intégrées dans, ou
peu intégrer dans les formations, c'est ce que tu nous partageais avant. Ben, pour avoir fait un PSM1 il y a quelques temps maintenant, j'en avais jamais entendu parler avant, en fait. Concrètement, il y a avant une formation, avant mon mentorat, donc c'est quelque chose qui a beaucoup changé mon regard sur Scrum. Donc j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui pourquoi on n'en a jamais entendu parler lors des formations. Et peut-être oui, voilà, c'était dans ce sens-là. Peut-être Eh aussi. bien, est-ce qu'on va commencer avec 15 minutes? C'est bon pour tout le monde? Oui, Je pas pense que mal aussi. ça va générer beaucoup de belles discussions. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on doit. Alors, mes chers amis, voilà trois questions pour guider nos conversations. Au travers de ces lectures que vous avez menées récemment ou il y a quelques semaines, quels éléments lus de ces chapitres ont fait émerger des souvenirs, des interrogations peut-être comme celle de Romain, ou des souvenirs de vos expériences? Qu'est-ce qui était redécouvert pour vous à la lecture de ces chapitres? Ou comment avez-vous été surpris à la lecture et qu'est-ce que ça vous inspire pour ce futur? Tu veux commencer, Aurélien? Oui. Et notez des post-it en même temps, ça serait chouette. Nous en plus? Ok, vas-y, je note. Non, mais attends, si je me replonge dans le premier. Ah, avant de parler des valeurs, il y avait un petit focus là sur les principes. Je sais pas pourquoi, mais le truc qui m'a le. Je sais pas pourquoi, c'est le truc qui me revient en tête tout le temps là. Il y a un petit paragraphe sur l'auto-organisation avec le fait que la phrase tu vois, qui m'a marqué, c'est les autorités externes sont les plus efficaces en supprimant les barrières organisationnelles ou procédurales qui entravent l'auto-organisation. Ça me parle parce qu'à chaque fois, en fait, l'entreprise, elle va penser à former. Les PO, c'est naturel. Éventuellement des Scrum Masters s'il y a du budget, parce qu'elle va pas en voir la valeur comme ça. Une entreprise classique ne va pas comprendre à quoi ça va servir. Mais le reste de l'organisation, elle n'est pas formée. À la limite, le Scrum Master, il va former l'équipe, tu vois. Mais qui est-ce qui. Les managers, là, qui est-ce qui va les former? Personne. Eux, ils sont un peu oubliés. Et on voit bien, tu vois, dans ce petit paragraphe, que c'est quand même une des pierres angulaires du bon fonctionnement pour une équipe, parce que l'équipe, elle a quand même besoin d'un support externe, tu vois. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'avait marqué, moi, Pour te sur répondre ce chapitre. par rapport à ça, en tant que Scrum Master, tu as pour mission, mission sacrée d'accompagner ton équipe, mais aussi une fois que ton équipe est assez autogérée, auto-organisée, c'est, je pense, aussi ton rôle de commencer à accompagner justement ces managers et à leur montrer un petit peu pourquoi on fait ça, quel est l'objectif et pourquoi tout ça est mis en place. Actuellement, j'ai plus l'impression qu'il y a le Scrum Master qui est cantonné à l'équipe, et ensuite, tu as ce qu'on appelle le rôle de coach, qui est notamment là pour justement encadrer l'encadrement. Ça fait beaucoup de cadres, mais de ce que je comprends aujourd'hui, c'est que vraiment, tu as le Scrum Master qui est pour ton équipe, et les coachs, que ce soit des coachs d'équipe ou des coachs organisationnels, qui sont là plus pour à plus haut niveau. Dans le Scrum Guide, pour moi, c'est aussi ton rôle en tant que Scrum Master d'aller accompagner tout ce beau Ouais, tout à monde. fait. Mais ma réflexion, c'est pourquoi les entreprises pensent pas à faire des formations à plus large échelle à tous les niveaux de l'organisation? Pense que c'est juste une méconnaissance et une mauvaise compréhension de Scrum. Je pense que simplement, on a l'impression aujourd'hui que quand on te demande du Scrum, c'est juste que tu vas livrer deux fois plus de valeur. Ça me fait beaucoup rigoler, mais non, c'est même pas que tu vas livrer deux fois plus de valeur, tu vas livrer deux fois plus vite.
J'ai beaucoup entendu ça, on est agile, on livre deux fois plus vite, on a gagné. Sauf que la réalité, c'est que tu livres deux fois plus de valeur, c'est-à-dire que tu mets vraiment le focus sur ce qui est important pour le client au lieu de faire tout ce que tu fais autour, c'est-à-dire créer un plan, faire ton Gantt, vérifier ton budget, revoir avec le client, rediscuter, partir dans 2 ans de... Non, là, quand tu fais du Scrum ou de l'agile, tu es vraiment beaucoup plus proche de ton client. Et en fait, je pense juste que c'est une méconnaissance, une mauvaise compréhension littérale de ce qu'est Scrum et ce que peut être l'agilité de manière générale. Et de toute façon, ça se voit, parce que encore il n'y a pas longtemps, on m'a parlé de méthode Scrum et de la méthode agile, ce qui est un non-sens. Donc voilà, je pense que c'est. Tu as complètement raison sur ce point-là. On n'accompagne pas assez, mais je pense qu'il y a aussi pas une envie de côté des entreprises parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. Peut-être. Pour moi, alors, je suis un peu moins gentil, mais moi, je pense qu'ils comprennent. Ah. Et là, on en vient aux valeurs. Il y a un manque de transparence qui est voulu des managers des équipes qui ne veulent pas, en fait, s'impliquer plus que ça parce qu'ils ont peut-être un peu peur. Si on parle des valeurs, ça me fait beaucoup rire parce que j'ai pas mal discuté jusqu'à présent avec mon cher mentor, avec qui on a pas mal échangé sur justement chacun des comportements dysfonctionnels, et tu peux le relier assez facilement aux 5 valeurs de Scrum. C'est-à-dire qu'effectivement, un manager qui veut pas comprendre, je pense qu'il y a un problème d'ouverture. C'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert à apprendre de nouvelles choses, à comprendre de nouvelles choses. Il y a aussi sûrement un manque de respect en disant, ouais, c'est que Scrum et c'est que de l'agilité. Et voilà, tu peux relier tous les, ou en tout cas, j'ai pas trouvé le, mais tu peux relier énormément des comportements dysfonctionnels et des comportements difficiles à justement un manque de respect de ces valeurs de Scrum. Tu as peut-être aussi un manque d'engagement. Comment s'appelle le chef de projet ou le manager n'a pas envie de s'engager dans un nouveau process, dans une nouvelle manière de faire. Et à plus large échelle, toutes les rencontres Scrum que tu peux faire, tu peux aussi ramener aux valeurs, aux piliers aussi qui sont pour moi aussi extrêmement importants, souvent oubliés et souvent pas appris. Et en ça, Scrum est très puissant, c'est-à-dire que tu peux tout ramener à ces 5 valeurs et à ces 3 piliers. Moi, je suis d'accord. Hein. Je Faut vais. pas oublier aussi qu'on travaille encore dans des organisations basées sur une organisation du travail qui date du 19e siècle. 20e siècle, ouais, allez, début 20e siècle, le taylorisme. Faut pas oublier que aujourd'hui, la plupart des organisations pour lesquelles vous travaillez en mandat, je pense à Romain et Aurélien, c'est plus facile de tordre Scrum pour rentrer dans des cases d'organisation du 19e siècle que d'avoir le courage, justement, et l'engagement pour changer l'organisation. Avoir le courage d'utiliser Scrum pour mettre de la transparence sur ce qui fonctionne bien et sur ce qui fonctionne moins bien, et avoir le courage d'inspecter et d'adapter, justement, nos processus organisationnels. Et ça requiert beaucoup de courage, beaucoup de temps. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les organisations d'aller faire du faux Scrum en allant le tordre pour qu'il s'adapte à nos façons de fonctionner avec des beaux plans, des choses comme ça. Et c'est là où est le gros enjeu. Donc je rebondis sur ce que vous dites. Et là, effectivement, les valeurs de Scrum sont vraiment complètement transgressées. C'est pour ça qu'on a tendance à pas trop en parler dans les entreprises, puisque ça fait mal. Ça fait mal à notre organisation, à Je peux nous. même ajouter, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a aussi un problème de focus. En fait, dans beaucoup d'organisations et d'entreprises, passer en mode agile, c'est vu comme quelque chose qui se fait, du jour au lendemain. Et en fait, c'est juste quelque chose qui se passe au travers de tous les projets, au travers de tous les produits qu'on développe. Et c'est souvent un gros manque de focus dans la mesure où est-ce que, voilà, ça va être fait. Sauf qu'il faut vraiment mettre de l'emphase dessus. Voir comment on peut changer le mindset, comment changer sa façon de produire, de travailler. Et ça demande quand même un petit peu de travail, un petit peu de réflexion dans nos process et tout. Et c'est souvent oublié. Pour vous Je citer vais qu'un même te exemple, dire. lorsque je suis en mandat, ils font une fusion, un changement de logiciel et ils passent en mode agile, tout en même temps.
Donc, il y en a un qui est laissé sur la touche, je vous laisse deviner lequel. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils veulent passer en agile? Le focus, oui. C'est bien. Après, il faut du sens. Ils le savent pourquoi. Dans leur tête, c'est on va travailler deux fois plus vite. Ouais. Est-ce que c'est rendu transparent à un moment pour à aucun moment, bien évidemment. Leur réalité qui n'est peut-être pas la bonne? À aucun moment. Manque de à sens. Aucun moment, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'héritage. Un Scrum Master va en former un autre, qui va en former un autre, qui va en former un autre. Un Scrum Master qui est, entre parenthèses, déficient, hein, j'aime pas utiliser ce mot, mais en tout cas, qui ne... Ça m'est arrivé de croiser des Scrum Masters qui n'ont même jamais lu le Scrum Guide. Là aussi, en termes de respect, de courage, d'ouverture, d'engagement, ça fait mal. Et si on arrive à prendre toutes ces valeurs, grâce à tout ça, on peut faire émerger la confiance. Et que ce soit au sein de l'équipe, que ce soit au sein de l'organisation, plus on respecte les valeurs de Scrum, qui sont au demeurant assez simples, et beaucoup vous diront « ouais ». Mais assez bêtement, on arrive à faire émerger beaucoup de confiance au sein des équipes. Et on arrive justement à avoir cette transparence, cette inspection, cette adaptation de manière régulière, nécessaire et vital dans nos organisations d'aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Et après, pour moi, c'est pas grave pour moi de faire du faux scrum. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu l'as dit, ça prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Quand tu interviens dans une entreprise, sur un mandat, peu importe, quand tu travailles quelque part, et ben il y a de fortes chances qu'en fait l'organisation ou l'équipe dans laquelle tu es, elle soit en cours de transition. Mmh. Le voyage, il est un peu long. En tant que Scrum Master, on peut l'aider du mieux possible en formant les bonnes personnes, en rendant transparent les règles, les valeurs de Scrum à l'équipe, aux autres. Mais c'est pas non plus grave si il y a un moment donné où en effet il y a des choses qui sont faites qui sont, c'est pas optimisé, c'est pas propre, c'est pas correct. Ce qu'il faut, c'est juste continuer de naviguer dans la bonne direction pour faire de mieux en mieux. Et parfois c'est vrai, tu peux passer après les Scrum Masters, tu te dis ah, ils étaient pas bons ou c'est nul ce qu'ils ont fait, mais en fait faut voir le contexte dans lequel il était et ce qu'il faisait. Parce qu'en tant, surtout en tant que consultant, bah ouais, faut que tu fasses bien ton boulot, mais il faut aussi que tu contentes ton client. Absolument. Et ton client, parfois, ce qu'il attend de toi, c'est pas forcément d'être un bon Scrum Master. Et c'est là où c'est compliqué. Notre boulot est compliqué. En tant que, effectivement, conseiller et pouvoir amener justement ce changement, je comprends complètement ce que tu dis. Et je ne cherche pas à arriver et dire Scrum a dit comme ça, on fait comme ça. C'est la meilleure façon de te faire sortir du mandat, qu'on soit bien d'accord. Oui. Mais effectivement, c'est un chemin long, un peu tortueux, où est-ce que le plus souvent, tu dois laisser tes équipes se planter correctement pour arriver à en sortir la quintessence et leur dire voilà, pendant une rétrospective, on s'est loupé. Qu'est-ce qu'on a loupé justement et d'améliorer ton process petit à petit et être de plus en plus efficient dans ta manière de travailler en équipe. Et de toute façon, au fur et à mesure que tu travailles avec les équipes, elles se rendent compte à quel point c'est puissant et à quel point tu peux faire avancer d'une manière beaucoup plus agréable et beaucoup plus sympathique autour de leur process de travail. C'est ça qu'il faut amener au quotidien et pas facile hein, tous les jours. C'est pas simple, mais c'est un travail formidable, je trouve. S'il vous plaît, beaucoup. Pardon. Vas-y. Tu n'avais pas fini, Romain? Si, c'est bon, j'ai fini. Il reste une petite minute. Je vous attire l'attention à la dernière question. Qu'est-ce que cela vous inspire pour le futur, c'est-à-dire ces deux sous-chapitres, donc les principes et les valeurs, qu'est-ce que ça vous inspire potentiellement là, demain, par exemple, à travailler avec vos équipes?
Moi, ça m'inspire deux questions. En fait, la première, je rebondirais, c'est ce que tu as partagé, Aurélien. C'est finalement dans les organisations, au début, on essaye de faire du Scrum et on fait du mauvais Scrum. Mais finalement, c'est peut-être évident dans la mesure où on prend ce qu'on essaye de prendre. Je reviens sur ce qu'avait partagé, je pense, c'était Jean-Christophe la semaine dernière. Sur l'état d'esprit ne se change pas mais évolue. Et finalement, c'est peut-être ça, finalement, puisque Gunther avait partagé le fait que c'était un paradigme et l'agile n'existait pas, finalement. Donc finalement, on fait toujours peut-être, et c'est peut-être un peu frustrant aussi, d'admettre qu'on fait toujours du mauvais Scrum, mais qu'on tend dans une bonne direction, en fait. Parce qu'à tout moment, finalement, ces valeurs-là, qui sont souvent vues comme une sorte de package, un package d'engagement, de focus et des autres valeurs, c'est un peu un tout est en clé en main, sauf que parfois, on ne peut pas toujours être parfait. Et je pense que Scrum, c'est aussi un peu de désordre parfois, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pose la question à qui? À vous tous. Question ouverte. Suis pas d'accord sur le fait que Scrum, c'est du désordre. Scrum, c'est un cadre, c'est très simple, c'est volontairement incomplet, c'est sûr. Mais tel qu'est indiqué dans le Scrum Guide, il faut l'essayer tel qu'il est en commençant. C'est-à-dire que c'est pas un truc où est-ce que tu peux prendre un outil et tu peux espérer que ça fonctionne. S'il te manque des morceaux, forcément, à un moment donné, il va avoir une problématique et il va te manquer des choses. Donc, c'est très léger, c'est assez simple dans l'idée. Comprendre pourquoi c'est peut-être un petit peu plus compliqué, pourquoi on fait ça. Mais une fois que tu commences à mettre en place Scrum, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et si tu oublies des morceaux de Scrum, admettons, tu dis, écoute, Scrum, c'est bon, c'est bien, mais je ne fais pas la revue parce que. Bon, voilà. Qu'est-ce qui va te manquer? Il va te manquer ton retour client, il va te manquer beaucoup de choses, il va te manquer beaucoup de transparence. Tu ne vas pas pouvoir respecter ce que tu as avancé, tu ne vas pas pouvoir adapter pour ton prochain sprint. Et donc, forcément, tu vas te mettre dans la sauce avec le client. Et pour finir, tu vas livrer un produit qui n'a pas la valeur voulue, qui n'a pas de valeur parce que tu seras parti à côté. Et donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre un manque de respect pour ton client. Ça manque un manque d'ouverture, ça montre beaucoup de choses et on retombe sur les valeurs de Scrum. C'est vrai, mais d'un autre côté, tu peux aussi Scrum, tu peux t'en servir comme d'un outil pour avoir des bons réflexes, une bonne manière de penser, des bonnes habitudes. Mais il ne faut pas s'empêcher non plus, je pense, de faire de l'inspect and adapt aussi sur le framework en lui-même. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver et il y a des choses qui vont te gêner. Pour moi, il ne faut pas se gêner de dire on adapte, on va adapter. Dans ce cas, en effet, tu ne feras plus du Scrum. Tu feras autre chose. Mais si c'est bien, si ça marche là où tu es, je pense qu'il faut le faire. Faut pas se brider en tout cas là-dessus. Après, quand je dis ça n'empêche pas les pratiques complémentaires. Attention. Ce que je dis, Oui, c'est oui. juste déjà qu'on recentrait le débat sur ce qu'est Scrum. Parce que souvent, tu vas entendre, oui, j'ai fait un planning poker, comme dans Scrum. Sauf qu'il y a énormément de choses qui sont ajoutées à Scrum. Encore une fois, je le dis souvent, mais Scrum, une fois que tu enlèves la page de garde, les remerciements et le sommaire, ça fait 10 pages. 10 pages pour t'expliquer. Effectivement, c'est très incomplet, il manque beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, le peu de choses qu'il y a, ça me paraît quand même assez indispensable pour sortir du paradigme industriel. Parce que si tu fais une revue avec ton client, tu t'enlèves toutes les réunions où est-ce que tu dois présenter tes résultats. Si tu fais des rétrospectives, ça t'enlève beaucoup de réunions de dire qu'est-ce qui est dysfonctionnel. Il y a un battement très précis et ça te permet d'avoir cette mécanique huilée est continue. Et c'est marrant d'ailleurs ce que tu dis. Pourquoi dans Scrum, il y a plein de choses qui sont rajoutées. Les US, à part un Scrum, non. Les estimations, pareil, t'en parlais.
Les planning poker, Scrum, bah non. Pourquoi il y a des trucs qui viennent se rajouter en plus et pourquoi typiquement eh ben, les valeurs sont pas plus mises en avant que ça? C'est rigolo. Là, par contre, je vais laisser les autres répondre. Ben, le temps, en fait, s'est écoulé. J'ai ajouté quelques Pardon. minutes pour cette dernière discussion. Est-ce que vous voudrez passer avoir un vrai échange avec Jean-Christophe et Gunther autour de potentiellement vos questions que vous avez? Ça Moi, vous dit? je pense Celles qu'ils que les ont tu as, entendues. Aurélien, on peut y répondre. On y Maintenant. va comme ça maintenant, direct. On prend 20 minutes. Faut y aller. Faut y aller un Ouais. peu en mode échange. Non, Continuer les échanges. Ouais. j'aime bien ta question. Ça me fait penser à quelque chose qu'on voit souvent, c'est que les gens attendent des silver bullets. Ils veulent de la solution. D'accord? Tu déroules, tu as une solution, ça fonctionne. Il y a des gros frameworks à l'échelle, dont je tairai le nom, qui sont surdocumentés, qui vous disent exactement ce qu'il faut faire, quoi faire, et on vous assure le succès, on fait revenir santé, femmes et tout, bref, les petits mots que vous avez dans votre boîte aux lettres. Ça ne marche pas. À un moment, Est-ce que effectivement. je peux interroper juste un tout petit peu d'ici? Parce que les choses dont tu parles, d'après moi, ce sont plus des frameworks. Ce sont des méthodologies, ce sont des choses qu'on veut abandonner. Ils utilisent le terme framework, mais c'est tout. Donc, je suis tout à fait avec toi, mais ça c'est devious, ça c'est, disons, la corruption du terme framework pour commencer, mais juste tout petit peu. Ah, tu fais bien. En plus, ils appellent même ça une organisation du travail. Ils vont très très loin là-dedans. Une organisation du travail. C'est puissant quand même. Effectivement, oui, Gunther, tu as raison. Là, on est vraiment dans des méthodes où on suit vraiment pas à pas des choses et on vous promet une réussite, peu importe votre contexte. Ça marche pas comme ça. On a tous des contextes différents. Il faut qu'on s'adapte. C'est pour ça que Scrum, c'est vraiment des règles minimales. Des prescriptions minimales qu'il faut vraiment activer dans votre environnement. Et tu sais, on en parlait, Aurélien, on disait, on est encore dans des organisations du travail un petit peu datées. Aujourd'hui, réfléchir, remettre des choses en question par soi-même, rendre transparent, inspecter, adapter, ça requiert du courage, ça requiert du temps. Et ça, on veut souvent des solutions tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc oui. On va aller piocher dans des pratiques, des choses et d'autres. C'est beaucoup plus simple que d'aller se remettre en question et d'aller se poser et finalement d'aller trouver soi-même les solutions. Il y a des phrases que j'aime beaucoup dans le Scrum Guide. C'est, je le traduis en français à la volée, Scrum est bâti sur l'intelligence collective des gens qui l'utilisent. Plutôt que d'apporter des instructions détaillées aux gens, les règles de Scrum guident leurs relations et leurs interactions. Il vous apporte vraiment un minimum de règles pour que vous fassiez le reste. Et je pense que là, comme disait Gunther et qu'il explique vraiment bien dans son livre, je pense que quand on a compris l'empirisme, quand on est drivé, quand on est conduit par les valeurs de Scrum, c'est là où vont se révéler justement, bah, comme dit le Scrum Guide, Scrum rend visible l'efficacité relative du management, de l'environnement, des techniques de travail, et ainsi, des améliorations peuvent être faites. Mais ça requiert du courage et ça requiert du temps. Et souvent, bah, les entreprises veulent des solutions, tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que souvent, l'appel de sales est plus grand. Il y a des solutions à suivre. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Aurélien. Oui. Bah, bon, après, c'était pas une vraie question. Surtout que moi, je m'en amuse de dire que voilà, il y a plein de choses qui sont très populaires et qui se sont vraiment répandues, mais dans toutes les équipes. L'utilisation des user stories, je vois pas d'équipe qui ne les utilise pas. Et c'est juste que ça m'amuse de voir que des choses, des pratiques comme ça se sont répandues. Mais que le cœur, tu vois, de Scrum, il soit pas plus révélé que ça.
J'ai une question pour vous. Aujourd'hui, dans vos quotidiens, quelle est la valeur que vous repérez, hein, qui serait la plus rognée et pourquoi? Ça dépend vraiment des contextes, mais j'ai envie de dire le courage, moi. J'allais dire exactement pareil que toi. Ah, c'est intéressant. parce que peut-être que l'organisation n'est pas assez bienveillante. Parfois, il y a ça. Tu as besoin de tenir tes budgets, tes délais, et parfois, c'est plus simple pour les équipes de cacher des choses à leur management, de ne pas l'afficher très clairement. Pour éviter le coup de bâton. Le Donc fameux parfois, indicateur pastèque. bah bien sûr. Ouais, vous n'avez pas de burn down, machin, vous n'avez pas d'estimation, bah pas de souci, tu peux mettre des estimations bidons, en fait, faire un burn down nickel. Personne ne saura rien. C'est ça. Ça arrive. Bon, là, on n'est plus sur de la transparence, mais ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment la valeur qui me semble la plus bafouée dans les. Puis même le courage de dire. Et c'est pour ça aussi que Safe prend beaucoup de place. C'est qu'on dit, OK, on laisse plus de pouvoir aux équipes de s'autogérer, d'essayer d'être plus proche avec le client, des choses comme ça. Et Safe, en fait, garde une espèce de structure managériale classique en insufflant quelques petits morceaux d'agilité par-ci par-là. Mais au final, n'y a pas le courage. Le courage est bafoué. On reste quand même dans nos petits chaussons bien confortables pour ne pas trop tout changer d'un coup. Je peux ajouter que Gunther, dans le livre, l'avait dit en dernière ligne des deux chapitres, que, il faut montrer le courage pour soutenir et mettre en place les valeurs de Scrum. Donc, le courage autour de toutes les valeurs de Scrum, c'est vraiment l'importance de cette valeur. Exact, Marco. Si je peux même rajouter, j'aurais même peut-être, j'aurais dit courage comme vous tout de suite, ça me serait venu en tête. Et en y réfléchissant bien, je préférerais dire l'engagement. Pour deux choses. Déjà, l'engagement, comme Gunther l'explique dans son livre, parce qu'il y a une incompréhension de ce que c'est vraiment l'engagement. Ça veut dire quoi s'engager pour une équipe quand on pense que, effectivement, tiens, le sprint ne peut pas changer, tout ce qui est dedans ne peut pas bouger, on s'est engagé à faire tout le travail qu'on a promis, il y a une mauvaise compréhension déjà là-dessus. Déjà, rien que pour ça, travailler l'engagement, savoir ce que c'est que l'engagement. Et pour moi, des équipes qui sont pas engagées, une organisation qui n'est pas engagée dans le changement, dans l'évolution de sa culture, dans l'évolution du soutien, enfin de s'engager à soutenir Scrum, s'engager à soutenir l'agile. Pour moi, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas cette étincelle qui va faire que l'organisation va s'améliorer en continu, va livrer de la valeur, et ainsi de suite. Pour moi, sans engagement, il n'y a rien en fait. On ne met pas un pied devant l'autre et on n'avance pas. Alors oui, ça prend du courage de s'engager, mais s'il n'y a pas d'engagement, on n'avance pas. Et ça prend Et du quel est courage l'âge? pour challenger. Pardon, Gunther. Non, I want to add a little bit on that. So thank you very much, Jean-Christophe, for having put sort of commitment in English or engagement first. Because when I wanted to describe them a long time ago, in a book, in a paper, blog note, you have to make a selection. What am I describing first? So there's naturally a sequence going through that. And like you've noticed, Marco, I've used courage as sort of the last value, because it allowed me also to close the circle and sort of go back, like you just described. And I think François is not here, but indeed they translated this. Ils ont le courage de soutenir et de faire vivre les valeurs de Scrum. And that was a way, I don't know if anybody of you is familiar with programming. In program, you have like these recurring things that you can call on your own procedure until, and that was sort of the Callbacks. idea. Yeah. So I wanted to include that a little bit, but like GC, you said, for me, it all starts with commitment too. Because without commitment, all of this is pointless. If you're not driven, if you don't have the engagement, if you don't believe in this, if you're not willing to go for it, in a way, you could just do nothing, just leave it there. Don't do anything. If you don't really believe in it, so engagement, commitment,
is indeed most important, but it's also the most misunderstood value in Scrum. Like GC, you said, people think that commitment means, but there's also this dual meaning of the word in English. Marco, you will probably know it. Commitment can also be used as a sort of promise of a result. And that's how it's not used in Scrum, but that's how a lot of people like to see it. Although, like I said in my book, I've used the example of a sports team. A trainer can say, wow, I can't blame my team. They worked hard, they tried hard, they did whatever they could, and still we lost the game. That is not a sign of bad commitment. You can be totally committed, and for whatever reason, it's not working out. But commitment is how it starts. Indeed, because commitment almost automatically flows into focus. Because if you're committed, if you're really driven to do something, you will put aside all of the other things. You will create focus for yourself. So that's why I started with commitment, because without commitment, and that requires courage, obviously, but all of the values require courage anyhow, but it starts with commitment. Without commitment, you can do whatever process, whatever method, if people don't believe in it, if people are not willing to go for it, it will not work out anyhow. So that's why I described commitment first. And then I think a few years later, I looked back, and for whatever reason, and it was really by accident, it seemed that in the first book of Scrum, Ken and Mike Beadle had described them in the same sequence that I've described them in. So there must be, that's my belief, there must be something in that sort of sequence and starting with commitment. But in a lot of organizations, it seems to be a dirty word. Because first of all, it's wrongly used, but also it seems that in this, I don't know, when you have to select by the start of this session, when we select, do we have the heart of the thumbs up, Agile or Scrum? I always choose Scrum, because in this world called Agile, it seems that commitment is a dirty word. No, we can't ask people to commit, and they have to figure this out for themselves. And what, it's also fluffy sort of flower power thing, you know? And like, no, there's nothing wrong with commitment. I love to work with people that are committed. Mm-hmm. Beautiful. Yeah. And can I share something? Because these sessions, I know, thank you, Marco, for having them. It just fires off a lot of things in my brain, some things that I hear you guys talking about. Some of the reasons why I see sort of management, whatever, not getting it, whatever, is sort of two, maybe three reasons. The two more obvious reasons often is job security. Mm-hmm. People are scared to lose their job. And that's a very human thing, that you want to keep your job, right? The other thing is not so nice. It's politics, internal company organizational politics. There's a lot of people that want to protect their position, their status, whatever, by hiding stuff and making sure that they're the only one knowing about this, and they want to be that sort of single point of whatever. So that's another thing. And then the third aspect has to do with sort of the, can I say that, sort of the anti-empiricism, meaning I want to know exactly what will be ready by when. It's my job as a manager, I need to do. So that's not just predictability, but exact predictions. And those are things that we have an answer for, those things with Scrum. Because cool, against the crystal politics, ball. Yeah, the crystal ball thing, yeah. And that makes it so difficult to see that in Scrum, you've got control out of working in short cycles that we call sprints, and that you evolve iteratively, incrementally. And you always keep control by making sure that you do all of the work your definition of done in a way protects you from hidden and open work. But that's difficult to get across. That's also what I wanted to share. Je peux en ajouter à ça par rapport à l'engagement. C'est, même en français, c'est l'interprétation de avant dans le paradigme industriel. Qu'on engage les gens de atteindre les résultats aussi. On les pousse pour avoir ces résultats. Donc, c'est aussi interprété de cette manière-là, même quand on utilise Scrum, quand on est dans une transition, quand on n'est vraiment pas dans le paradigme agile.
Donc, ça se traduit parfaitement aussi dans les deux sens, Gunther. Yeah. And another thing that I wanted to share, because when Jean-Christophe was talking about this large framework, so that's no longer a framework. So last Friday, I finally put my thoughts in a blog note, by the way. And just let's be clear, we're talking about SAFe. And I said, you know what? SAFe can be many things, but it is not a framework and is not agile, because it sort of breaks all of the agile value statements and principles. But it's also not a framework, because the essence of a framework, that is, you create a frame within which people devise their own solutions, their own way of working, their daily processes, and so on. So, and Scrum or sort of SAFe takes that away. So Scrum SAFe makes it a methodology again. Now, that's so devious, because a long time ago we started calling Scrum a framework, and then it seems that Scrum is successful in the sense of everybody wants to do Scrum, whether that's real Scrum or not, let's leave that outside of the discussion. But and then Scrum is called a framework. So everybody started to call their method or process or whatever framework too, because the terms methodology, method, process sort of all burned in the beautiful world of Agile. But that sort of ruined the whole idea behind calling it a framework. And that brings me to another things about language and words. Sometimes it's important, sometimes it's not, but sometimes it is. So in my book, I don't know whether you've noticed, it's also translated in French. When I wrote my book, I wanted to build on the idea of the Scrum Guide. And what does the Scrum Guide says as a subtitle? The rules of the game. So it goes back to a long time ago where we got the name Scrum from rugby, you know, the rules of the game. So the Scrum Guide teaches you the rules of the game. In my book, I've tried to describe the rules of the game, that is chapter 2, right? It was just Scrum, the rules of the game. And then in chapter 3, it's in French, it's called the tactique porteuse de sens. So I called it tactics in English, tactics for a purpose. And I'm not a fan of, so Jean-Christophe, don't tell anybody, but I'm not a fan of the term complementary practices. I'll tell you why, because it looks like you've got Scrum and you add practices to it, which in my mind doesn't happen like that. With Scrum, we create a framework, and within that framework, we make tactical choices. We choose our tactics. Tactics might be practices like you've referred to, user stories, poker planning, and planning poker, and so on. Those are tactical choices. But for me, Scrum is a framework. And in English, I don't know, maybe Marco, you should translate. But for me, Scrum is a framework that wraps practices and tactics. Oui. So it wraps them. So they happen within Scrum. So for me, looking outside in, it is still Scrum. You don't add anything to it. You don't pile things upon Scrum, but you do them within Scrum. So Scrum wraps practices or tactics. Oui, je sais que Jean-Christophe, il comprend aussi très bien, mais c'est vrai que tu parlais de méthode, de process, tous ces noms qui ont été utilisés. Et jusqu'à un point que quand on parle des individus, des interactions, plus que des processus et des outils, et dans la rétrospective, on est là pour inspecter et adapter et les process, souvent Scrum a été vu comme le process. Et donc, il fallait modifier Scrum. Et ça, c'est Scrum est immuable. Donc, du coup, on ne modifie pas Scrum. Et quand on le voit comme un cadre de travail, et le travail se passe dedans, j'aime bien cette idée de contrarier complementary practices, les pratiques complémentaires. C'est les pratiques qu'on met à l'intérieur de Scrum. Et au lieu de dire quelque chose de complémentaire à la pratique de Scrum, ce n'est pas nécessairement une pratique dans ce sens-là que tu es en train de dire. Une pratique Scrum avec des pratiques complémentaires, c'est Scrum, c'est un cadre de travail et on ajoute des pratiques pour travailler. Mm. On utilise des pratiques pour travailler avec le cadre de travail de Scrum. Donc littéralement, les pratiques sont complémentaires, mais ils ne sont pas ajoutés sur Scrum. En top de Scrum, mais on les fait dans le cadre de Scrum.
Et c'est ça qu'on va inspecter et adapter. On va dire, on a fait un planning poker et ça ne marche pas très bien. Donc, on va inspecter. Est-ce qu'on va faire autre chose? Quelles sont les options? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que les gens connaissent? Et qu'est-ce que les gens souhaitent expérimenter pour les prochains sprints? So, and that's what I wanted to do with my book. I want to build on the rules of the game and then tactics to play the game. Because it's like in football or in soccer, you know, you've got different teams. They all play by the same rules. Some teams are more successful than other ones. It might be to do with their commitment. It also might be to do with their tactical choices. Maybe Aurélien, building a little bit on what you said, for me, and I think Romain, you talked about it too. So for me, I like to call Scrum a minimal framework, a minimal yet sufficient framework. It is minimal, but it's got all of the things you need to do. And I think Romain, you talked about it, omitting any of the elements of Scrum is bound to create problems again. So the idea is not to omit an element and then replace it with something big or complex like in Safe. So there's always this duality, and it's always because Aurélien, I'm with you on making it it's a journey. It's also why I called it compagnon de voyage, Anthony Shaw. It's a journey indeed. But be careful in allowing too many things to be skipped from Scrum. Unless you have the courage, and we go back to the values, to point out we're running into problems. Hey, can't that be because we don't have this, or we don't have a real product owner? It's just a requirements engineer, or maybe is it because we don't have a Scrum Master, or is our Scrum Master in a way sometimes not courageous enough to bring up those difficult conversations and so on? So I like to call it a minimal yet sufficient framework. That's also a way to sort of provoke and irritate people a little bit. Mm-hmm. Nous avons écoulé les 20 minutes. Alors, c'est vrai qu'il nous reste encore 20 minutes, donc ça dépend de tout le monde. Est-ce que vous voulez continuer sur une question supplémentaire pour 5 minutes ou est-ce que vous voulez passer vers la clôture? Continue 5 minutes, passez vers la clôture. Vous avez peut-être une question qui n'a pas été répondue? J'ai plus de questions, mais tu en avais plein, Romain, toi, non? Après, c'était pour l'atelier précédent et pour pouvoir justement y répondre. Là, à proprement parler, je n'ai pas trop d'idées. OK. Est-ce que vous me donnez la permission de partager quelque chose que vous avez dit? Et juste rebondir dessus, est-ce que j'ai votre permission? Vous avez parlé pendant votre discussion d'un Scrum Master qui va apprendre un autre Scrum Master, qui va apprendre à son équipe. On parlait de ce manque de formation au sein de l'ensemble des équipes. Et le mot qui me venait, c'était poloniser. De poloniser, en fait, parce que c'est dit dans un des redevables responsabilités d'un Scrum Master de aussi aider aux implémentations d'autres équipes. Et c'est vrai que je l'ai vu aussi, je l'ai expérimenté, qu'on cherche toujours à faire venir un Scrum Master, le maître de Scrum, et donc celui qui va former le monde entier à Scrum. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu triste pour moi, en tant que Scrum Master, c'est que, en fait, personne n'a lu le Scrum Guide et tout se passe sur les épaules du Scrum Master pour, en fait, apprendre ou réapprendre. Si je peux, une petite histoire, j'ai rejoint une équipe il y a un an, d'accord? Ça faisait 3 ans qu'ils utilisaient Scrum, jusqu'à un point qu'ils avaient abandonné Scrum. Ils étaient en train de juste faire un daily et c'est tout. Et ils étaient un daily un peu Kanban, mais ils se croyaient être Scrum. Donc, je les ai demandé s'ils connaissaient bien Scrum. J'ai fait une petite activité et j'ai fait une constellation. Et ça les a permis de dire, est-ce que vous êtes confortable avec le travail de Product Owner?
Est-ce que vous êtes confortable de savoir qu'est-ce qu'un Scrum Master? Et quand je suis arrivé au empirisme et les valeurs de Scrum et certaines choses, ben, il y avait des choses qui n'étaient pas confortables avec. Donc, à partir de là, j'avais la possibilité de leur proposer d'implémenter, réimplémenter Scrum doucement et de commencer avec des choses comme le definition of done et créer quelque chose de transparent autour qui se travaille. Donc, c'est vrai que si on commence avec une équipe fraîche qui n'a jamais vu, c'est bien de commencer avec l'ensemble de Scrum inspecté et adapté. Mais quand vous avez une équipe qui a déjà rejeté Scrum, ça nécessite beaucoup d'innovation pour pouvoir réimplémenter Scrum doucement pour qu'ils puissent en fait s'adapter à ça et voir autrement en fait ce qu'ils avaient vécu. Il y a une question. J'aimerais juste poser une question, peut-être à Gunther, en profiter. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, dans le Scrum Guide, les valeurs ne prennent qu'un petit paragraphe minuscule, quand on sait à quel point, quand on les incarne et qu'on les expérimente au quotidien, à quel point elles ont une importance capitale dans la mise en application de Scrum. J'ai beaucoup de mal à comprendre, peut-être Jean-Christophe aussi, hein, mais à comprendre pourquoi elles sont si peu développées dans le Scrum Guide, alors qu'elles sont pourtant si importantes. So I'm going to be totally honest with you guys. I like to do that. I think two reasons. First of all, it was really late for them to be added to the Scrum Guide. It was only when I think Ken and Jeff saw it sort of popping up around the world that they wanted to build on it a little bit. And to be totally honest, I am very not so happy on the way they are described in the Scrum Guide anyhow, because it seems to be very focused about performance and on performance things and productivity in a way, which is sort of Scrum-like sort of 20 years ago. Now, the other thing is, in let's say, in their advantage, let's say, Romain, is that fact a Scrum Guide is obviously really small, so they can't spend a lot of time on it, but even the way they are described in the Scrum Guide, so I'm not a fan of, first of all, the sequence, because I don't think it's the proper sequence, honestly, but that has to do because Scrum the Talk at some point in time wanted to create their pictures and so on around it. I'm not happy by the way they described, but in a way, I feel okay with how much room they are given in the Scrum Guide. It could be more, but I also have this conviction. Let me start by something else. Often people ask me. There was a question on the board also. Comment bien incarner les valeurs de Scrum, qu'apporte also différents événements and so on. Let me go back to the roots. So they were the first time described in the first book by Ken and Mike, 2002, Agile Software Development with Scrum, and it was sort of as a sort of annex. So Ken and Mike had first described a Scrum, and then a sort of separate little chapter described the Scrum values. And they didn't really describe the values, but what they described is, wow, people that are really doing Scrum, if we have to translate that, we see those values emerging more and more and more. It's like, okay, when people are doing Scrum, they are practicing Scrum, and they're really doing it in a way, let's say, properly and really driven, we see that there is commitment. We see that they focus more. We see that there's a lot of openness within teams, a lot of respect, and that people show courage to do that. So in that sense, I've described the Scrum values in two ways, or maybe try to use them in two ways. First of all, it's not the values first, and then Scrum. It's also not Scrum first and then the values. They both go hand in hand. So practices and values, they go hand in hand. It's not like linear or sequential thinking. But another way of using, so use them at the retrospectives to look back with the team at what happened in the sprint and relate that back to the values to sort of transcend the idea of the formalities only. But for me, the Scrum values also offer a function, and I call that a sort of
a barometer, if you want, so a thermometer of the healthy level of your scrum. If in a way, by doing scrum, you should see those values take precedence over time. So they should become more and more and more important in a way that people don't think about the rules anymore, but maybe are more focused on just how do we treat each other? How do we work? How do we collaborate with each other? Rather than thinking, yeah, but you're the product owner, you should not do this, you're the scrum, and then that sort of formality. So two ways to use the scrum values. Bring them up regularly during your sprint to help them figure out what practice to do more and more and more. But in a way, as a scrum master, also look at, are the values taking precedence or not? Because if people are still stuck in discussing the rules all the time, then something is not working out well. So but that's sort of a lot of words to, I hope it addresses your question a little bit, Romain. So Ken and Jeff, certainly Jeff comes from this idea of productivity a lot. You know, in productivity, I think the focus is a lot on the practices and do the practices, not so much on the values. My personal journey is humanizing the workplace, and in a more humane workplace, obviously the values are more important. But on the other hand, it's sort of limited documents, so I hope it gets people to think about them anyhow. Does that help, Romain? Thank you. Tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que tout est dit par Gunther. C'était beau. Je peux ajouter peut-être juste que une équipe Scrum, c'est avec des personnes. Donc, Gunther l'avait dit, des humains. Et du moment où il y a des humains, il y a des comportements. Et du moment qu'il y a des comportements, il y a des valeurs. Et ce qui aide à guider nos comportements. Donc, même sans parler de Scrum, il y a déjà ça qui est l'essence d'une équipe. Et étant donné que dans Scrum, on met équipe et Scrum et les événements et tout, ben en fait, ça marie ensemble tout le temps. Peut-être le Scrum Guide, comme Gunther a dit, l'avait ajouté en début parce que c'était important d'être proche des principes de Scrum en haut, mais c'est en utilisant ces valeurs que c'est utilisé, ça doit être utilisé à travers de tout le Scrum Guide, les rules of the game, les règles du jeu. Thank you.